Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui, je vous propose la recette de macaron mogador, un mélange d'acidité et de douceur. Ces macarons sont composés d'une coque à la meringue italienne, garnie d'un mélange de chocolat au lait et de fruits de la passion. Pour les ingrédients, il nous faut 165 g de sucre glace et 165 g de poudre d'amande torréfiée à 150 degrés pendant 10 minutes refroidie, 165 g de sucre, 40 g d'eau, 2 fois 60 g de blanc d'œuf à température ambiante, une demi-cuillère à moka de colorant jaune et une pointe de couteau de colorant rouge. Pour garnir les macarons, il nous faut 225 g de chocolat au lait. Ici, c'est un chocolat à 40% de cacao. 125 g de purée de fruits de la passion et 50 g de beurre. Je commence par préparer la garniture pour qu'elle ait le temps de refroidir. J'ai fait fondre le chocolat au lait au micro-ondes. J'ai fait également réchauffer la purée de la passion que je vais verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et je mélange bien. Je rajoute le deuxième tiers, je mélange bien. Et enfin, le dernier tiers, et je lisse bien ma préparation. Et enfin, je vais rajouter le beurre qui est à température ambiante. Je mélange pour le faire fondre dans la préparation. Il faudra avoir un appareil lisse et brillant. Si vous n'arrivez pas à le lisser avec la spatule, vous pouvez le faire avec le mixeur plongeon. Enfin, je vais filmer au contact et je vais placer au frais quelques heures. Je mixe ensemble la poudre d'amande et le sucre glace et je vais les verser dans un saladier que je vais laisser de côté. Dans une casserole, je vais mélanger le sucre et l'eau et je vais cuire à 118 degrés. Et pendant que le sirop cuit dans la cuve de mon robot, je vais verser 60 g de blanc d'œuf avec une pincée de sel et je vais les battre gentiment. Quand le sirop atteint les 118 degrés, je vais le verser doucement sur les blancs d'œufs et je continue de battre jusqu'à avoir une meringue ferme qui forme le bec d'oiseau. Et pendant que ma meringue monte, je vais mélanger les poudres d'amande, sucre glace et colorant jaune, rouge et blanc d'œuf. Et voilà, ma meringue est prête, elle forme le bec d'oiseau. La cuve doit rester encore tiède au toucher. Et je vais mélanger ensemble les deux préparations. Je verse ma meringue italienne sur mon mélange poudre d'amande, sucre glace, colorant et blanc d'œuf. Et je mélange bien, je macaronne pour rendre l'appareil lisse et brillant. Et j'arrête de macaronner quand mon appareil forme le ruban. Je verse ensuite la préparation dans une poche à douille munie d'une douille de 8 mm de diamètre. Je poche mes macarons. Et je prends la plaque et je la tapote pour chasser les bulles d'air. Je vais ensuite les saupoudrer de cacao en poudre.
Je place les macarons dans un four préchauffé à 145 degrés pendant 15 minutes. Et je vais ouvrir le four et le fermer pour laisser échapper l'humidité. Je vérifie la cuisson des macarons en les touchant. S'ils ne bougent plus, ça veut dire que c'est bon, ils sont cuits. Et je vais les laisser complètement refroidir avant de les retirer de la plaque. Je les retire ensuite de la plaque. Je vais les garnir ensuite avec la ganache qui a bien refroidi que j'ai placée dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Et je vais refermer avec une autre coque de macarons. Je place les macarons dans une boîte hermétique que je vais garder au frais pour 24 heures à 48 heures avant dégustation. Et pensez à sortir vos macarons 15 à 20 minutes avant dégustation pour qu'ils soient à température. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.